Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo All Nose. Donc aujourd'hui, j'ai été faire un tour balader avec mon fils et mon homme. Et au retour, on est passé devant Nose. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'aller faire un tour, voir les nouveautés, voir ce qu'il y a. Sachant que ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été. D'habitude, on va toujours à Action. Et du coup, là, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai bien fait parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Enfin, bien fait. Je sais pas. Parce que vu les sacs que j'ai 3 sacs remplis. Donc, bref. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Sachant qu'il y a pas mal de nourriture. Mais bon, je voulais quand même vous les faire partager. Donc, je commence tout de suite. Alors, là, on a pris un lot de Twinuts. Donc, c'est les cacahuètes. Enfin, oui, c'est ça, les cacahuètes enrobées. C'est au goût cheese. Et c'était le lot de 1,40€, je crois. Donc ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris des cookies. Donc là, par contre, c'est des gros lots. En fait, tout ça, c'est des cookies. Et là, il y en a par deux. Donc il y en a 2 fois 200 grammes. Donc c'est vraiment pas cher. C'était 1,95€. Ensuite, mon homme a pris un protège écran et clavier. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'était 30 centimes, donc vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris un lot de papier sulfurisé. Donc c'est pas français, mais on s'en fout, hein, pour prix 1,69€. Ensuite, on a pris des gueules, là, pour des bugs 3D. Et là, c'était au goût nature. Et ça, ça valait 1€, je crois. Ensuite, on a pris ceci. Donc en fait, c'est des œufs à la coque. Donc c'est des œufs en chocolat. Et à l'intérieur, il y a la mousse au lait. C'est mon péché mignon quand ils les sortent pour Pâques. J'adore ça. Il faut pas en abuser. Mais bon, maintenant, vous connaissez mon amour pour le chocolat Milka. Donc du coup, j'ai vu le prix. Je me suis dit, obligé, je vais en prendre. Sachant que dans le commerce c'est au moins 4 euros, 5 euros environ. Et là c'était 1,20€. Donc j'en ai pris deux paquets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On a pris comment ça s'appelle, une recharge brosse adhésive. Donc vous savez, c'est les papiers qui est collant et pour les poils, etc. C'est vraiment pratique. Et mon homme l'a pris pour la voiture principalement. Et c'était 50 centimes, je crois. Ensuite, j'ai pris des barres de céréales. Donc c'est au chocolat. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour le matin ou quand j'ai pas énormément faim. Ou le goûter si justement j'ai un petit creux pour éviter de manger n'importe quoi, n'importe quoi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer, donc je vais voir. Ça, c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai pris deux protèges ceinture, donc pour mon fils, 15. Je sais que dans le commerce, ça vaut une blinde ces trucs. Je les avais vus une fois, je crois que c'était 10 euros, je sais plus combien, je laisse tomber. Et là, je suis tombée par hasard, donc j'avais vu la première fois mini. Même si on s'en fout un peu du dessin, mais bon, mini quand même. J'ai voulu chercher pour Mickey ou autre. Et puis finalement je suis tombée sur Cars. Donc pour dire qu'il est content. Sachant qu'on a deux voitures, donc ça va être pratique. Et c'était 2,99€. Ensuite, j'ai pris trois cartes postales donc de chez Anne Guedes. J'aurais dû en prendre plus, mais on est à la fermeture, donc je me suis dépêchée. Donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci et celle-ci, donc elles étaient à 30 centimes. Ensuite, donc ça c'est pas pour vous. Ensuite, mon homme s'est pris une tablette de chocolat Lindt. Donc moi c'est Mika, lui c'est Lindt. Chacun sa marque. Et donc c'est au lait praliné graines salées. Donc voilà, donc ça valait 1,81€.
Ensuite, j'ai trouvé un fil comme ça. Donc, c'est du fil aluminium 2 mm sur 5 mètres. Et c'était, je crois, 50 centimes, un truc comme ça. Ou 99 centimes, enfin, je ne sais plus exactement. Et parce que c'est pour faire des petites craies, donc je trouve que c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris un sachet de Madeleine de chez Saint-Michel. Je vais y arriver. Et donc ça, c'était 1 euro. Je l'ai vu en partant. On a une vidéo, c'est bon, t'as fini. Et je dis oui, oui. Et puis je suis tombée là-dessus. Et franchement, vu le prix dans le commerce, qui doit être 3-4 euros peut-être, là, il y en a 500 grammes. Du coup, j'en ai profité. Ensuite, je me suis pris un livre. Donc en fait, c'est une histoire vraie. C'est ce que je lis beaucoup. Donc c'est Mayan et ses sœurs. Ça explique la vie des filles en Chine. Donc en gros, là, ça explique aussi qu'elle a 16 ans et qu'elle est déjà maman, mais que c'était pas prévu en gros. Enfin bref, voilà. Donc on verra bien s'il est bien. Et je l'ai vu à 2,99€. Oh, ensuite, mon homme a pris... Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un truc antidérapant pour mettre dans les placards, pour mettre sur la table, pour mettre n'importe où. Donc voilà, c'était 1,50€. J'ai pris des gâteaux pour mon fils. Donc c'est des dinosaures. C'est un peu dans le même style que quand on avait... Enfin, moi je sais pas, on avait quand j'étais petite. Ça avait les formes des dinos là, les trucs comme ça. Donc c'est un peu pareil. C'est le même style. Et donc c'est fourrage véritable chocolat. Il y a 6 paquets dedans. Donc c'était, je sais plus, 1,42€. Ensuite, j'ai pris... c'est un truc pour faire des cookies. En fait, c'est une préparation où il faut rajouter apparemment du beurre et des œufs. Et ça fait des cookies au chocolat. Donc c'était 99 centimes. Je me suis dit pour essayer, pourquoi pas. Ensuite... Mon homme a pris des cacahuètes, donc tout pour l'apéro. Mais bon, quand je vois dans le commerce combien ça coûte, c'est toujours ça de gagner. Donc là, c'est un gros paquet de 450 grammes de cacahuètes toutes simples à 1,64€. Et là, on a pris cela. Donc là, c'était saveur mexicaine, donc c'est les mêmes que tout à l'heure, à 1,40€. Ensuite, mon homme a pris du café. Donc voilà, enfin, c'est du cappuccino gold au caramel. Je ne sais plus combien c'était. 1€ des poussières. Enfin, je ne sais plus exactement, 1,20€. Bref, donc il a pris celui-ci. Il a pris à la vanille. Au chocolat. Ça c'est un cappuccino mais noisette ou je sais pas trop quoi. Ensuite j'ai pris une crème comme ceci. Donc en fait c'est une crème, si j'ai bien lu, une crème de jour entre guillemets, de soins éclatants du teint, éclat du teint pardon, 50 ml. Donc 1,99€. Donc je voulais tester. Et ensuite j'ai trouvé un démaquillant doux yeux. Je vais y arriver. À l'eau florale de bleuet et de rose. Nettoie et rafraîchit vos yeux. Donc c'est un soin visage. Et donc c'est de chez Evoluderm. Donc ça coûte une blinde ces trucs. Et c'est 1,80€. Donc on essayera. Et pour finir, j'ai trouvé un Disney, donc j'étais super contente parce que là il est vraiment tout neuf et je l'ai payé 3,99€. Donc c'est Clochette et l'expédition féerique. Donc du coup je suis super contente, ça a grandi ma collection pour pas cher. Donc voilà, j'en ai fini pour mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même s'il y a beaucoup de nourriture, désolée.
Donc voilà, donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les filles!